Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et un nouveau vlog football. Aujourd'hui, je vais aller à Caen en compagnie encore de notre ami Loïc Durand, bien évidemment. On va aller à Caen pour cette 22e journée de Ligue 2 BKT. L'ACA donc se déplace à Caen. L'ACA qui peut frapper un grand coup ce soir en cas de victoire, car l'ACA compte deux matchs de moins que le TFC, donc Toulouse. Mais un seul point de moins, donc potentiellement, après ces deux victoires et ces 6 points engrangés, l'ACA aurait 5 points devant Toulouse. Donc aujourd'hui, l'ACA peut être leader de Ligue 2 avec un match en moins par rapport aux Toulousains, ce qui serait un coup exceptionnel pour les hommes d'Olivier Pantalogne cette semaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Moi, je vous laisse pour cette intro. Vous allez voir un peu les petites vidéos que je vais tourner comme d'habitude avec mon téléphone durant ce match. Là, j'attends que Loïc me récupère et direction Caen pour ce 22e match de Ligue 2 BKT. Même lui, c'est pas ce qu'il fait là. Eh bien les gars, on se retrouve pour l'outro de cette vidéo, de ce vlog foot. L'ACA s'est incliné 2 buts à 0 hier soir, au moment où je tourne cette outro, face au Stade Malherbe de Caen. Une défaite qui fait mal, une défaite qui intervient pour la première fois depuis octobre. L'ACA donc compte toujours un point de retard sur Toulouse avec un match en moins qui se jouera vendredi face à l'AJ Auxerre à domicile en espérant s'imposer. Sur le match d'hier, l'ACA n'a pas mis les composantes pour pouvoir s'imposer malheureusement. Ça a été un match compliqué face à une équipe de Caen. Qui a été revanchard de sa 16e place au moment du coup d'envoi, de vouloir se relancer. Et l'ACA n'a pas mis tous les atouts et tous les ingrédients pour aller chercher cette victoire, malheureusement. Donc voilà, une défaite logique, 2 buts à 0. C'est dommage parce que l'ACA a mérité peut-être mieux. Pas sur la physionomie de la rencontre, mais par rapport au dernier match, etc. Si l'ACA continuait sur sa lancée, ça aurait pu faire du bien de s'imposer, de reprendre de l'avance et de prendre 2 points d'avance sur le TFC avec un match en moins. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'espère que le club va désormais se concentrer sur le match de vendredi qui est très important aussi face à Auxerre à domicile. Nos Comoriens devraient revenir au club. Shaker Alhadjour, du coup, le gardien, celui qui est maintenant. Une légende du football après son match en tant que gardien avec les Comores et Mohamed Youssouf notamment. Donc les deux devraient être de retour au prochain match. On l'espère en tout cas. Au niveau de l'accueil, etc., des Canets, ben, on a eu un très bon accueil en parkage. Faut le souligner aussi quand ils sont bons, les accueils de la part des gens. On a été très bien accueillis. Ça a été un beau match sur une belle pelouse, un très beau stade d'ailleurs. C'est la première fois que j'allais à Dornano du coup. Et très beau stade. L'ambiance était là, le COP. On avait même eu le droit, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo, à un petit tournage du clip d'Orelsan pendant la mi-temps
de ce SM Caen AC Ajaccio, donc c'était assez sympa. Mais voilà, en tout cas les gars, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. La prochaine vidéo sur ce support donc de vlog foot devrait intervenir en février pour un ACA Guingamp. Parce que normalement je devais aller faire PFC pardon, donc le Paris FC contre l'AC Ajaccio, mais le match n'est plus à Paris à cause des incidents qu'il y a eu en Coupe de France. Le match va être délocalisé sûrement au Mans, et c'est un peu plus compliqué pour moi de me rendre au Mans que de me rendre à Paris, tout simplement. Donc potentiellement je ne serai pas au Mans pour supporter l'AC pour ce match, mais je serai bien à domicile le 12 février contre Guingamp à Chimizu. Donc voilà, on va aller voir ce match-là et en espérant que la CA sera leader de Ligue 2 à ce moment-là. On verra bien en tout cas. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. C'était King Costa Junior. Peace.